Salut à tous, je suis Shiny Bobbers, apprenti sorcier. Je viens d'ouvrir un coffre que je ne voulais pas. Salut, youpi, comment ça va? Alors aujourd'hui, les mecs, on se retrouve pour une nouvelle mise à jour de la bêta. C'est une nouvelle bêta, donc pensez à sauvegarder votre monde avant de l'installer. Mais on a eu plein de nouvelles choses. Si on regarde Witchery, maintenant s'étend sur deux pages, donc plein de nouvelles choses à faire. On a toute une nouvelle branche de sorcellerie avec tout ce qui est brasier, encens et compagnie. Des choses intéressantes, il faudra que j'y jette un coup d'œil quand j'aurai le temps. Si on a le temps aujourd'hui, on y jettera un petit coup d'œil, on verra. La première chose qu'on va faire, c'est que... Vous me voyez dans le milieu de la technologie. Non, on va pas toucher à la technologie, on va juste s'en servir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin... Ça là, j'en ai besoin. Et des chauves-souris. Il va m'en falloir quelques-unes. Et il va me falloir aussi quoi? Il va me falloir... Il est où mon chien? Il est là mon chien. Mais pas comme ça. Hop. Dans ces bouboules, ça marche pas. Donc, waf. Hop, voilà. Donc la première chose qu'on va faire, c'est multiplier les chiens par deux. Hop, hop. Bon, tout me le pond. Et toi, tout me le hache pas. Si, il va me le hacher. Allez. Ouh, il y a eu une nouvelle mise à jour sur les conveyeurs belt. Nouveau design. Chut. Voilà. Et on va aller arrêter le spawner. Hop. Hop et hop. Ça suffit. On va prendre l'Artana. Parce qu'on veut un seul chien. Un seul. Donc, on va récupérer. C'est quoi ça? Je l'ai, on va en prendre un pour le mettre dans la machine. Histoire de rendre ça à leur propriétaire. Ça suffit. On le remet là-dedans, histoire de toujours l'avoir sous la main. On ferme ceci, on prend l'Artana et on fait... Chut, je veux pas être un chien. Par contre, toi, avec ta tête de creeper, tu me fais bien rigoler. Coucher, j'ai dit. Ah, une langue de chien. Voilà. Je sais, ça peut paraître horrible, mais... Moi, j'ai besoin des langues de chien parfois. Witchery oblige. Et donc, il nous fallait ça, et il nous fallait des souris. Des chauves-souris. Donc là, je vais pas me faire avoir. Hop. Il m'en faut 4. Donc, ça, dans l'auto-spawner. Moi, en chauve-souris. Squeak, squeak. Et on va les attraper dès qu'elles sortent. Voilà, une. Outil. Viens par là. Oh, mais c'est pas vrai. Et voilà, et de deux. Vous voyez, Shiny Bobber, ce n'est pas très doué pour attraper les chauves-souris. Viens là. Non. Voilà, 3 et 4. Et viens là, voilà, on va arrêter de suite ça. Non, stop le spawn. Et on va buter ce qui reste. Ouais, aujourd'hui on bute. Oh, faut que j'enchante cette Artana parce que là, ça vaut rien. Ah. Alors l'Artana nous donne un bonus quand on tue... Quand on tue les animaux avec, et un bonus pour avoir les objets correspondants à Witchery, comme les langues de chien que vous avez vues précédemment. Ou ceci, la laine de chauve-souris, qui peut être parfois utile aussi dans Witchery. Oh, que j'aime pas leur bruit. Chut. Voilà, ça suffit. Voilà. Il en reste une. Il en reste même plus. Allez, vous resterez là. Ah, l'Artana n'est pas considérée comme une arme. Ça y est, elle se balade partout. Bouh, envahie par les chauves-souris. Hop, je crois qu'on aura besoin de ça. Il va nous falloir une Atunstone chargée et du Mutandis Extremis. On va aller se préparer ça et une Spiderweb. Donc, à la méthode. À la méthode, j'ai vu un zombie bouger là-bas. Bouge, zombie, bouge. Alors.
Hop, la première chose qu'on va faire, c'est se crafter notre mutandis extremis. Enfin, on va se libérer un peu déjà. Hop, hop, hop. Hop. Le fer air, ça, ça. Ça, je garde. Ça, j'en ai pas besoin. Donc, on va garder ça. Ça, hop, ça vient là. Ceci vient ici aussi. Alors, première chose qu'on va faire, j'ai dit, on va se crafter le mutandis extremis. Donc, il va me falloir ça. Il me faut du verre de cactus. Est-ce que j'en ai? Je dois en avoir, verre de cactus. Là. Ah ah. Du verre de cactus. Des œufs. Que je ne me trompe pas, il me faut aussi ça. Et alors. Il est où? Mutandis. Mutandis. Il est là. Hop. Et de la bonne mille. Et vient la pépère. C'est parti. La moitié, ça devrait suffire. Hop. Hop. Et donc, une table de craft. Et pour une table de craft? Ah si, elle est là. Hop. Mutandis. Je l'ai trouvé tout à l'heure. Il est là. Qu'est-ce qui me manque? Hop, mets-moi la recette. Ah, du boudash. Toi là. Et voilà. Hop. 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 Toujours pas. Pourquoi? Pourquoi, pourquoi? Donc, ça. Ça, ça. Ça, ok. Ceci, j'ai... Ah, bah oui, il me manque des Hint of Rebirth. Du jus de... Sapling. Ici. Et voilà, hop, donc ça devrait aller maintenant. Mutandis, hop, c'est bon. Voilà, j'en ai un paquet. Mutandis extremis, hop. Et voilà. Comme ça, on en a. Mais il ne veut pas m'en falloir autant, donc je vais sauvegarder. 1, 2, 3, ça devrait suffire. C'est sauvegardé. Il va me falloir ensuite... J'ai des fils, je dois en avoir ici. Il m'en faut 8. Voilà, alors toi tu tranches ici, toi tu tranches là, là, ça aussi, ça aussi. 8 fils, 8 fils. C'est parti. Non, c'est toi. Oh, j'oublie à chaque fois. Voilà, craft-moi ma petite cobweb. Je vais ranger les os ici. Donc 1, 2, 3, 4, bat un chien, c'est bon. Il me faut une attune stand. Allez, j'en ai une. Ça tombe bien. Ah, et on va aller la charger. Donc, il va me falloir mon book Circle of Magic. Qui me dit, il me faut une attune stone, un os. Il me faut quoi d'autre? Non, reviens Léon. Toi, tu peux te mettre là en attendant. Il me faut de la rotten flèche. Alors ça, je dois en avoir par-dessus la tête, logiquement. Rotten flèche. Ici. De la rotten flèche, ça fait 1, 2, 3. Ensuite, une épée en fer. 1, 2. Et... Est-ce que j'ai des sticks ici? Non. Ok, 1, 2. Ça, on peut le faire de suite. Hop. Hop et hop. Et comme ça, comme chiche, comme chache. Voilà. Donc, je récapépète ça, 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 ça. Spectral Dust. Ah non, c'est quoi ça? Mais c'est pas le bon rite. Ah! Rite of Charging. Fumble du cerveau, encore une fois. Charger la Atune Stone. Glowstone Dust. Redstone. Woodash Quicklime. Ok. Donc, ça, ça, pas besoin. Ça, si, besoin. Et donc, Redstone. Glowstone. Woodash, j'en ai mis tout à l'heure. Elles sont où mes cendres de... Là. Et du quick lime, j'en ai ou j'en ai pas? Quick lime. C'est avec du... Hop, hop. Viens là, hop, et hop. Ok. Voilà, donc, quick lime. Woodash, Atune Stone, Redstone... Et Glowstone, je crois que j'ai tout. On va garder l'épée dans la main. Hop. Atunson, Glowstone, Redstone, Woodash, Quicklime. J'ai tout. Donc maintenant, allons-nous charger notre
Atuna de Stone. Non. Couché. Voilà. Hop. Et donc. Si je ne me trompe pas. Ça. 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 Rite inconnu. Pouvoir de l'hôtel, 2000. Il y a 4000 et quelques. Bon. Récapépétons. Atunstone, Redstone, Glowstone Dust, Wood Ash, Quicklime. Ok. Ah, c'est pas les bons cercles. C'est pour ça. Il va me falloir un pet de Redstone, si je me trompe pas. Hop. Moi et mes cercles, Redstone et un circle talisman. Alors, hop. Il est où mon sac à dos Witchery? Il est là, hop. Circle talisman, voilà. Il me faudra quand même un pet de Redstone. Et bien, comme ça, vous voyez, on fait les erreurs ensemble. Des fois, on ne sait pas d'où ça vient, un rituel veut pas marcher. Pensez à regarder vos cercles au sol. Il me refaut un de Redstone. Alors, c'est reparti pour un tour. Donc là, déjà, on va rattacher nos cercles de rituel à leur talisman. Première chose à faire. Ceci. Non, pas toi. Voilà. Toi et toi. Hop. Et hop, on récupère nos cercles. On reprend le sac à dos Witchery. On le range. On prend le bon. Celui qui contient les trois cercles normaux. Hop. Haha. Qui redevient un talisman normal dès que vous l'utilisez. Et donc on est reparti. Il me manque la glowstone. On fait tac, 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 tac et tac. Pop, 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 pop. Ça pop dans tous les sens. Pop, 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 badabada, pop, pop, pop. Boum. On a notre pierre chargée. Et là, je crois qu'on est bon. On est bon. Alors, il va me falloir... je récupère ceci, 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 ceci. Hop, on n'en aura plus besoin. Et ensuite, laissez-moi vérifier quelque chose, je vous reprends tout de suite. Oui, donc c'était vraiment tout de suite. En fait, il faut faire ça. C'est pour ces mutations, vous savez, il faut tout caler au... On va pas dire au poil près, mais quand même, ouais. Alors là, il faudrait de la terre. 4. Tiens, on va la prendre ici. 1, 2... 3 et 4. Et bien sûr, je réparerai ça plus tard. Là, pendant l'épisode, on n'a pas trop envie de voir que de la dirt. Alors là, on fait ça. Ça, ça et ça. Ensuite, on pète ça. Non, pas trop. Ah, j'ai pété un grasper. Ah, c'est vrai. Non, pas toi. C'est les critter snare qu'il faut faire gaffe. Voilà, alors dans les graspeurs, vous mettez un mutant 10 extrémiste, 2 mutants 10 extrémiste, 3 et la pierre chargée. Ok, maintenant on va se saisir d'une paire de shears. On ne refait pas la même erreur et on fait critter snare. 1, 2, 3, 4. Vous vous souvenez, c'est ces plantes qu'on a créées dans le dernier épisode et que je vous ai dit un truc, et dont je vous ai dit un truc, elles contiennent les petits animaux. Donc, est-ce que c'est possible de faire. Quoi, je peux pas. Eh, reviens là. Non. Voilà. Je veux que tu sois là. Voilà. Visez le bloc en dessous, faites pas la même erreur que moi, sinon vous chassez les chauves-souris pendant des heures. Non, ça c'est le loup. Alors, on vise le bloc en dessous. Vous entendez ça? Elle souffre. Oh, c'est... Voilà, donc avec nos jolies plantes capture, on va dire nos plantes carnivores, il n'y a pas d'autre mot, dévore des chauves-souris, on va s'amuser un petit peu. Donc là, ça devrait être bon, et maintenant il me faut, je sais ce que j'ai oublié, chut, hop. Toi là, ma petite cobweb, je ne t'avais pas récupéré, hop.
Ah, j'espère que ça va marcher parce que là, c'est un truc de fou. D'ailleurs, on va prévoir. On fait. Toi. Toi. Et toi. Alors maintenant, si je veux poser ça. Non! Ah, on peut les récupérer avec les animaux dedans. Oh! Découverte pas faite exprès. Mais découverte quand même. Alors, comment je vais la jouer? Je vais la jouer comme ça. Il va falloir retourner faire une cobweb. Voilà, on va la jouer comme ça. On va faire notre cobweb rapido là. Hein, j'aime pas trop ça. Alors. Du fil, il y en avait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Suite, voilà. Avec 8, on fait ça, hop. Ça tourne, ça mouline, ça nous fait du fil, du fil, du fil. Tis, tis, tis. Allez, fais-nous cette sacrée toile d'araignée pour pas dire un gros mot. Sacrée toile d'araignée, bis, hop. Donc cette fois, on va essayer de la jouer normalement. On y est presque, on y est presque. Il suffit que je place ça, ensuite. Que je place ça, ensuite que j'arrive à péter le bloc qui est dessous. Pour ça. Voilà. Pour ça, on va faire ça. Soyons malins un peu. On va prendre la hache. Hop. C'est pété. Il me faut un peu d'eau. On va y arriver. On y est presque. On y est presque. Et hop. Et maintenant. On revient ici, il nous faut notre bloc de dirt. C'est parti. Le bloc de dirt, on remet les queeners en place. On prend le chien, le loup, la baguette. Elle est où ma baguette de mutation? Et logiquement. Wouah! Toi, reste là. Et d'un. Non. Rends-moi-le. Et de deux. Ils sont où les autres? Oh, ils se sont déjà cassés. Là, 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 là. Là, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Mais viens là. Eh, mais c'est Shiny chasse les... Shiny Bopper, c'est les animaux volants. Ouais. La chasse aux animaux volants. Il m'en manque une. Et donc, je vous présente. On va avoir l'occasion de les observer un peu mieux. Ah, et un de moins. Oh, ça couine. Ferme la porte. C'est ce que je voulais faire à la base, mais j'oubliais. Il faut ma paire de clés. Hop, ferme ici. Et on va faire quelque chose, c'est qu'on va fermer là. Histoire d'éviter que monsieur décide de s'envoler. Par là, il peut encore. Voilà. Alors. Ah, c'est pas beau ça. C'est pas beau. Première chose que je veux savoir, et vous le savez tous. Est-ce que je peux devenir toi? Yes! Ah, il file des plumes. Et est-ce que quand je suis toi. Attention, regardez bien. Le morph du jour. Pom 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 pom. Ah, génial, génial. Alors là maintenant, on saura qui est sorcier et de qui ne l'est pas. Hein. Personne ne peut avoir ça à part nous. À part nous. Et donc voilà, hop, il me faudrait un petit bout de steak histoire de pas crever. Et donc, je vous présente le hibou ou la chouette. Je sais pas exactement, l'un des deux. Mais en tout cas, c'est nous maintenant. Et je veux faire d'autres petits tests. Parce qu'il paraît qu'il y a des choses assez marrantes. Il me faut des fleurs. Non, pas toi, des fleurs, des vraies. Tiens, toi. Hop. Puis toi, hop. Et ça devrait aller pour le test. Je dis bien pour le test.
Alors. Moi, je peux monter. Ah ouais, est-ce que je suis un bloc... Ouais, un bloc de haut. Ça, ça le fait, ça, ça le fait. Comme une chauve-souris, mais pour les... Pour les mages. Est-ce que j'ai du lapis? Ouais, un lapis. Comme ça, on va faire les tests. Hop, hop. Pigmentation. Et pigmentation. On redescend. On relâche un boubou. Viens là. Si... Alors, t'es marron. Et si je te mets du lapis, est-ce que tu changes bien de... Hop. T'es dressé ou tu l'es pas? Non, tu l'es pas. Et si je te mets du blanc? Non. Allez. Pourquoi? Pourquoi? Ah, mais oui, j'oubliais une chose. Il faut que... Que je te dresse d'abord. Et pour ça, il va me falloir... De la viande. Le hibou aime la viande, les gars. Alors, il faut aller viander. Du porc ou de la vache. Ça aime les deux. Mais j'ai pas beaucoup de porc, j'ai pas beaucoup de vache. Va falloir y remédier, d'ailleurs, dans un prochain épisode. Toi, dégage. Toi, dégage. Voilà. Wow, 6 steaks. Parfait. Vive looting. Hop. Et donc, on reprend la bestiole, enfin les clés. Que là, quand même, la maison est entourée par pas mal de zombies. Hop. Voilà, on relâche la bête. Prenons les steaks. Ouh, t'aimes ça? Alors, attendez. Option, vidéo, particules, toutes. Yeah, t'es à moi. Petit, je voulais juste te mettre des pigments. Tiens, tu veux un steak? Oh. Yes, 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 yes. Alors. Ah, tu peux plus rentrer dans la bouboule. Ok. Est-ce que j'ai mon lance-bouboule? Je crois qu'il est à l'étage. Parce que je veux... Est-ce qu'on peut les... Vous voyez, maintenant que j'ai accès au hibou, je me pose la question. Est-ce qu'on peut... Relâche, capture. Vous croyez qu'on peut les accoupler? Viens là. Hop. On va essayer d'aller... Déjà, est-ce qu'on peut les multiplier à l'auto-spawner? Oui. Parce que sinon, ça vaut le coup, hein. Vous, sur un serveur, vous vous mettez en sorcier witchcraft, vous faites la petite mutation qu'on vient de faire, elle est pas excessivement chiante, faut capturer des chauves-souris et un loup, c'est ça le chiant, trouver le loup, et une fois que vous l'avez, vous faites un business, vous vendez les petits familiers, tu veux être un hibou? Tiens, ça te coûtera 16 émeraudes. Alors, dis-moi que ça spawn. Allez, allez, pousse! Yes! Ça suffit, ça suffit. Pour les tests, ça va suffire. Viens là. J'en ai deux, ça me suffit. Maintenant, on va prendre l'artana. Est-ce que vous nous donnez un item spécial? Oh, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent! Ah, il me suis fait latter par des chops... Par des hiboux. Youhou. Bon, retournons-y. Maintenant que j'en ai deux. Trois. Un pour l'auto-spawner qui va rester dans le sac là-bas. Hein. Comme ça, si vous téléchargez le monde quand je le mettrai à jour, en plus, vous aurez votre propre hibou. Foufoufoufoufou. Il est gentil, Shiny. Shiny Boppers, présent pour vous. Haha. Petit cercle à mutation qui a été fort utile aujourd'hui. Bon, pam pam, pam pam pam. Non, en bas. Qu'est-ce que je fais? Il me reste assez de steak? Non. Bon, ben on va aller latter de la vache. Hein. Ouais, je vois que ça. À moins que...
Non, bah tiens d'ailleurs. Hop, 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 hop. Hop, hop. Et hop. Et on retourne la tête de la vache. Je veux accoupler des bestiasses. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Petit, 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 viens voir. Bouya, bouya. Bouya bis. Et fait pour partie. On va essayer. Moi, je veux les accoupler, si c'est possible, vous imaginez. Je crois qu'on peut pas devenir bébé. Des bébés animaux, je crois qu'on peut pas. Mais ça peut être fortement marrant. Fortement marrant de pouvoir les accoupler. Là, j'entends cling, 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 cling. J'aime pas trop. Rends-moi mes clés. Voilà. Et d'un et de deux. Alors déjà, premier test. Est-ce que... Voilà. Et donc, c'est pas avec ça qu'on vous accouple. Eh ben, faites un bébé. Faites un bébé. Ne m'obéissez surtout pas, hein, les gars. J'ai pas encore des steaks qui traînent n'importe quoi, du porc. Du... Ce qui bouffe de ça. Non plus, j'ai pas l'impression. Ouh, ça commence à être un sacré bordel là-dedans. T'aimes ça? Mais non, pas l'hôtel. Toi, t'aimes ça? Assis. Pas bouger, voilà. Bon. Tant qu'il me restera une vache. Donc là, logiquement, il me faudrait deux steaks et ça devrait aller. Mais je préfère être sûr. Il est passé où? Enderman. Ah, c'est... Oh, regardez, ils se sont téléportés à moi. Vas-y, viens, on vole ensemble. Moi et mon poteau. Venez, les hiboux. Oh, oh, oh. Attends. Non, bouge pas. Hein. Bouge pas, on va faire un screenshot. Y était, tant pis. Rentrez à la maison. Papa, pa. En tout cas, j'adore ce morph. Viens dès à l'intérieur. Quoi, 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 quoi? Ah, vous êtes là? C'est bon, j'ai entendu crier, moi j'ai pris peur. Alors. C'est bon les petits. C'est bon les petits. Viens dès. Toi? Et toi? Yes! Yes, 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 yes. Ouh, qu'il est mignon! Qu'il est... Oh, les petits de dressés sont déjà dressés, c'est cool. Alors, donc maintenant je vais essayer mes pigments. Bon, j'avais pas des pigments. Si, tiens, du rouge. Si je te mets du rouge. Oh, il est tout rouge. Le petit. J'ai d'autres pigments. Je sais pas si vous avez vu, ça a pas beaucoup changé, mais il a pris une couleur légèrement rosâtre. Oh, j'adore ça. J'adore ce bruit. Ce que je vous propose, c'est que je vais regarder depuis combien de temps ça tourne et je vous récupère tout de suite. Et oui, et en fait, c'est la fin de l'épisode. Il me reste très très peu de temps si je veux pouvoir envoyer la vidéo sans que ça me prenne plus d'une journée à envoyer. Et oui, c'est le temps que je mets avec ma connexion internet pourrie. Je mets une journée pour vous envoyer les vidéos et j'essaye de le faire vite. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu de me voir galérer à invoquer des hiboux, à galérer comme un chancre, à les faire s'accoupler, mettez un like, ça fait toujours plaisir. Un petit j'aime, ça fait du bien. Un gros commentaire. Alors, pour info, on m'a proposé dans les commentaires du précédent épisode de faire une salle des statues avec les statues de mes abonnés. Moi, j'aime pas trop le principe de la salle des statues. Ce que je vous propose, c'est si vous voulez une statue dans le village avec vous, vous m'envoyez sur cette vidéo votre pseudo in-game
Et moi, je la mettrai quelque part dans le village. Ça va donner de l'animation, de voir des gens circuler autour. Enfin, poser, mais dans des postures un peu... Là, le bras levé. Oh, il regarde les fleurs. Voilà. Je verrai. Ou alors peut-être... Oh, il se fait botter le cul. Quoi qu'il en soit, les amis. On va faire un zibou. Allez. Les gars. Trop. Marche arrière, à droite, baisse. Ouh. Il nous reste plus qu'à vous faire plein de petits zibous tout partout, petits viewers et petits abonnés préférés. Oui, c'est toi que je préfère, toi là. Toi, celui qui regarde cette vidéo, t'es mon préféré. Je vous dis peace, à plus, soyez heureux. Et surtout, amusez-vous avec la sorcellerie de Witchery. A plus, c'était Chantou pour vous.